Bienvenue dans cette minute utile du guitariste, du musicien, de tout, voilà, des gens qui veulent. Aujourd'hui, c'est dimanche, demain, c'est le 1er janvier, donc j'essaie de vous faire un petit plan. J'espère que j'aurai le temps de monter cette vidéo pour ce soir. J'ai plein de trucs prêts déjà, mais je voulais vous faire un petit cadeau pour la bonne année. Alors, c'est plutôt un plan pour les gens un peu avancés, parce que pour l'instant, j'ai surtout fait des trucs pour les gens débutants. Donc voilà, ce sera un petit peu, histoire de faire patienter les autres, en attendant des choses qui vont vraiment les intéresser. Donc, un petit plan un peu jazzy, avec du phrasé. Je le connais pas encore, on va voir. Je vais improviser un peu, dès que je trouve un truc intéressant, bah alors... On le décortique. Voilà. Commençons par se faire une petite boucle avec un looper, et puis comme ça on pourra jouer par-dessus. Ce sera comme ce sera, hein, c'est dimanche, d'accord? Trop de chocolat, tue le chocolat. Voilà, ça va à peu près. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal, mais si je devais le refaire, je ferais plutôt... Voilà, comme ça, on joue sur le mineur et majeur. C'est plus intéressant pour vous. Donc... Plutôt ce genre-là. Donc c'est... Je pars en pentat mineur. On est en la mineur. Et plutôt dorien. Et comment on sait qu'on est en dorien? Tonique. Sept. Tonique. 7 tonique, 6. Qui dit 6, majeur, dit dorien, d'accord? Enfin, mineur avec une 6 majeure, alors c'est plutôt du dorien qui va coller. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va faire... Je ne me rappelle plus. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, on part pentat mineur... J'évite de partir sur le La sur le La mineur, et bon, d'accord. On part plutôt sur la quinte. D'accord. Et là, je joue la tierce mineure, puis la tierce majeure. Donc, je joue déjà dans un contexte qui est un tout petit peu bluesifiant. On est en pentat mineur, parce que dans la pentat mineur, il y a une septième mineure et une tierce mineure, d'accord. Et ensuite, ce que je fais... C'est quoi? Ah oui. Donc je reviens sur la seconde ici. Donc. Vous remarquerez qu'en passant, je fais une espèce de petite magouille. On apprendra. Ça, on peut l'apprendre chez Pat Metheny, par exemple. Il fait beaucoup de ça, des petits appuis comme ça sur les tierces inférieures. On y reviendra. Donc. Ici, ce que j'ai fait, c'est que donc, j'arrive sur la seconde et puis ensuite... Ça, c'est dorien, d'accord? Ça, c'est dorien. Mais juste après, je fais une espèce d'arpège mineur 7, mais de la bémol. Alors que normalement, on devrait entendre un arpège mineur 7 de la. Je vous rappelle qu'une pentatonique mineure de la, c'est ni plus ni moins qu'un accord fondu de la mineur 11. D'accord. Donc ce qui est intéressant avec ça, c'est que là, ce que j'ai foutu, c'est que je suis passé sur un La bémol mineur 7, qui est l'image exacte de ce qui devrait être, mais juste à côté. C'est ce qu'on appelle du jeu out. On y reviendra, je suis en train de vous préparer des vidéos là-dessus. Le jeu out, c'est très intéressant, mais il faut vraiment bien s'y prendre, sinon ça peut sonner complètement pouilleux. On y reviendra. La bémol mineur 7. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est... Alors... Là, pareil, je viens prendre un appui en dessous. Et puis, je revise la septième bémol. Donc là, je reviens sur ma pentat mineur, en fait. Pentat mineur. Mais ce que je fais, c'est que je viens chercher ma tierce majeure. Donc, je fais... Tierce mineure, tierce majeure, et je finis sur la tonique. Profitez-en pour une fois qu'on finit sur la tonique. Et après, une espèce de petit tournicotis à la fin pour finir un petit peu rythmiquement en l'air. Ok ?
pour éviter de finir sur le la, qui est la tonique, et sur le temps. Donc je le rejoue tout doucement en essayant de ne pas me planter, mais bon, la vie. Hein. Voilà, donc pinta mineur, la tierce majeure qui fait du bien, l'appui sur la tierce inférieure, je reviens sur la seconde, je monte un petit bout de dorien, je fais mon petit arpège out, c'est-à-dire le bon mais juste en dessous, je prends un appui, je reviens sur la pinta mineure, et avec un petit truc comme ça, et puis je vise la tierce majeure, et je finis sur la tonique. Vous remarquez que pour phraser, parce que là il s'agit de phraser, mais comme c'est du phrasé, le phrasé ça sert à quoi? Le phrasé c'est pas monter, descendre sur des grands arpèges de trois étages, trois octaves d'affilée. Moi pour moi c'est pas intéressant. Ah ben, y a des gens qui adorent faire ça. Hein. Si vous faites du Paganini, quand j'étais petit gamin, je me suis mis à bosser Paganini, on m'avait dit que c'était super. Bon, c'est bien, c'est chouette, mais moi c'est pas ça que j'aime. Ce que j'aime c'est un phrasé plus élégant et plus complexe. C'est-à-dire qu'en fait l'arpège, quand il y en a un, il va être nommé une fois. Éventuellement sur un peu plus d'une octave, mais pas beaucoup plus. Moi, je préfère faire l'octave. Et il est juste donné une note. Voilà, il y a quatre notes dans l'arpège, vous les jouez une seule fois chacune. Et tout de suite après, vous le combinez avec autre chose. Ce qui fait qu'en fait, dans votre phrase, vous avez une couleur, une couleur, une couleur, une couleur, un appui, une couleur, paf. Et vous vous dites, bah, dans une phrase de 3 secondes, il y a 5 couleurs. Pour moi, c'est ça phrasé. Donc ça veut dire qu'on travaillera tous ces trucs-là. Je vous donne un petit plan, ça n'a aucune valeur pédagogique, je suis désolé, c'est pas... Mais ça peut vous donner des idées quand même sur comment ça peut s'enchaîner des idées dans une phrase et dans un discours mélodique. Voilà, je crois qu'il est pas mal ce petit plan. Hein, bon, on a fait mieux, hein, mais pour bosser, pour trouver des petites solutions, mine de rien, dans celui-là, il y a déjà 4 ou 5 idées. Demain j'essaye de vous faire la suite des pintas, si vous n'avez pas vu les pintas, pinta pour la base des pintas, si vous avez des copains qui rament en pinta, qui mélangent tout, les positions, tout ça, il y a eu une vidéo là-dessus, et il y a la suite qui arrive qui est sur les positions, comprendre les positions. Normalement si ce plan-là vous intéresse, vous n'en êtes plus là, mais des fois ça fait une petite piqûre de rappel qui peut être sympa, ou pour expliquer à vos élèves, parce que si vous jouez ce plan-là, peut-être que vous enseignez déjà. Téléchargez tous les trucs qui sont à télécharger, les liens sont dans la description, ça va vous donner accès à un espace dans lequel on pourra communiquer plus facilement. Pour recevoir les machins, vous allez mentionner votre mail, mais pas de panique, ce mail, je le redonne à personne, j'en fais rien à part vous envoyer des trucs gratuits pour l'instant, d'accord? Un jour, peut-être qu'il y aura des formations payantes, et puis vous serez au courant, et puis après vous pourrez dire, bah non, ça m'intéresse pas, ou oui, ça m'intéresse. En tout cas, vous serez au courant. Vous pouvez rester à vie dans mon machin sans jamais acheter le moindre truc et ça me dérange pas, c'est le prix pour moi à payer pour que des gens soient intéressés. Puis vous verrez bien selon vos progrès ce que vous avez envie de faire, où vous avez envie de progresser et si les choses que je vous propose vous semblent intéressantes par rapport à votre pertinence musicale. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, ça n'engage à rien mais vous serez au courant de tout. Je vous souhaite une bonne année à fond les gamelles. Et plein de choses merveilleuses pour vous. Et on se retrouve demain. Bye bye. Ciao.